Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous, dans cette même vidéo, un audio destiné à vous faire vivre Ho'oponopono. Si mes vidéos vous intéressent, que vous souhaitez en recevoir davantage et gratuitement, être informé quand je sors de nouvelles vidéos, eh bien vous pouvez cliquer ici et donc ainsi vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous incite également à partager cette vidéo pour faire connaître à un très grand nombre de personnes cette magnifique méthode qui est Ho'oponopono. Je suis David Vigneron, je suis infirmier, diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, en développement personnel et j'aborde avec vous ici Ho'oponopono qui est cette merveilleuse méthode, notamment entre autres, de paix intérieure. Donc, dans cette vidéo, je vais tout de suite, là vous n'avez rien à faire, dans la continuité, partager un audio, vous allez vous installer tranquillement, fermer les yeux et vous laisser transporter sur le chemin du Pono. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans Ho'oponopono, vous avez la possibilité de suivre une formation en ligne que je vous propose. Pour cela, vous avez tous les détails, le programme, le contenu, etc. qui figurent dans la description de cette vidéo, là, juste en dessous. Et s'il vous plaît, éventuellement, à la fin de l'audio, partagez-moi vos retours, vos ressentis, les messages qu'éventuellement vous avez reçus de vous-même ou d'ailleurs. Après tout, je ne sais pas, c'est toujours un plaisir. Et si je peux vous apporter certaines notions, répondre à certaines questions, je le ferai avec grand plaisir. Donc tout cela après l'audio, ça sera sous la vidéo dans la partie commentaires. C'est parti, c'est maintenant, installez-vous confortablement, vous pouvez fermer vos yeux et je vous guide en musique avec des visualisations guidées et créatrices sur le chemin du Pono. C'est maintenant. Bonjour, je vous propose de vous installer confortablement dans la position la plus agréable pour vous et de fermer vos yeux. Adoptez maintenant une respiration agréable, détendante. Respirez calmement. Chaque expiration vous conduit dans un voyage intérieur agréable, détendant, riche en enseignements. Vivre Pono, c'est accepter de prendre de la distance, du recul. C'est accepter de lâcher vos émotions. C'est choisir de ne plus être victime et c'est s'entourer des bonnes personnes. Vivre Ho'oponopono est être responsable de tout ce qui vous arrive, mais pas coupable. Cette responsabilité ne se partage pas, elle n'est pas un poids, c'est une libération dont vous réussissez à en extraire tous les bénéfices. Vous avez tout à fait le pouvoir de changer votre extérieur, votre environnement, en modifiant tout ce qui est à l'intérieur de vous. L'extérieur interagit avec votre intérieur et votre intérieur avec votre extérieur. Détendez-vous et profitez de ce voyage intérieur et constatez qu'en vous, tout est calme comme ralenti. Vous vous accordez ainsi un instant de pause et de réflexion. Vivre Pono, c'est prendre de la hauteur pour lâcher prise. Lâcher prise est précisément ce que je vous propose dès maintenant
Et pour ce faire, je vais vous demander de vous imaginer dans un endroit quelconque, tout à fait neutre, comme par exemple une forêt toute blanche. Ce lieu n'est finalement pas si agréable que cela, car il abrite tout ce qui vous pèse, vos problèmes, vos inquiétudes, vos tracas, etc. Malgré cela, cet endroit est magique, car il vous confère un pouvoir qui sort de l'ordinaire, celui de vous transformer maintenant en un majestueux et magnifique oiseau. Tandis que la transformation s'opère, vous vous apaisez. Et petit à petit, au rythme de votre imaginaire, des ailes poussent dans votre dos et ainsi, vous devenez un oiseau, détenant la capacité de quitter ce lieu, ses poids, ses tracas, pour vous envoler ailleurs. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Respirez profondément. Détendez-vous. Vous êtes un oiseau. Au chiffre 3, vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous êtes cet oiseau gracieux, sûr de lui et de ce qu'il veut. 2. Vous avez pris la décision de lâcher ce que vous ne voulez plus. Et pour cela, 3. Vous vous apprêtez à vous envoler. Vous quittez maintenant le sol et tranquillement, vous décollez. Vous apercevez vos tracas, vos ennuis, vos problèmes qui, eux, restent au sol. Vous vous en éloignez sûrement avec bienveillance, car vous avez besoin de prendre du recul, de la hauteur. Il vous est nécessaire de lâcher prise. Plus vous vous éloignez du sol, plus ce qui se trouve dans cette forêt blanche et qui est désagréable s'estompe, s'affaiblit et vous libère des relations que vous entreteniez avant avec ces toxiques. Et cela vous apaise. Vous relaxe et vous vous sentez relâché, tandis que vous prenez encore plus de hauteur pour lâcher et lâcher prise. Vous êtes un oiseau avec ce pouvoir, celui de mentalement vous détacher de ce qui est inconfortable pour pouvoir vivre sereinement, pour vivre Pono. Alors maintenant, vous vous approchez des nuages, du soleil, et cela procure en vous une grande et belle sensation de douceur, de légèreté. Peut-être même pouvez-vous ressentir un vent agréable sur votre plumage, ainsi que la température ambiante, tempérée, percevoir toute la lumière autour de vous et constater qu'en dessous de vous, ce qui auparavant pesait
n'est plus que poussière. N'est plus que poussière physiquement, mais aussi mentalement. Vous profitez de cette balade. Tout en hauteur, pour lâcher ce que vous ne voulez plus et acquérir encore plus de bonheur, de sérénité et de légèreté. Pendant que ce voyage intérieur extraordinaire se poursuit, vous apercevez au loin un joli paysage qui vous correspond en tout point. Vous prenez alors l'initiative de vous en approcher. Vous constatez que c'est un endroit bienveillant pour vous. Un endroit dans lequel vous êtes bien et vous vous posez dans cet endroit, sur ce lieu de bien-être. Vous êtes léger, apaisé, détaché de toute sensation qui n'est pas ou n'était pas agréable. Vous êtes bien. Prenez quelques instants pour profiter de cet instant de douceur dans lequel vous êtes totalement libre. À présent, vous retrouvez votre corps d'être humain. Vous vous défaites ainsi du plumage, de l'habit d'oiseau, pour retrouver vos sensations corporelles, légères, détachées de tout ce qui n'était auparavant pas agréable ou confortable. C'est cela. Vivre Pono, c'est lâcher prise et se défaire de tout ce que l'on ne veut plus. Je vais maintenant compter jusqu'à 5. Et au chiffre 5, vous pourrez revenir à vous, ouvrir vos yeux et conserver cette sensation de légèreté et de douceur. 1. Vous commencez mentalement à quitter ce merveilleux paysage. Vous vous sentez bien. 2. Vous adoptez une respiration toujours agréable, détendante. Chaque inspiration vous permet de revenir à vous, à votre rythme. 3. Vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, vos pieds. Contractez, décontractez les muscles de votre corps. 4. Vous ressentez les points d'appui de votre corps, là où vous êtes installé, et vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous êtes qui traverse vos paupières. Et 5. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir à vous dans l'ici et le maintenant.